qu'est-ce que t'en penses, surtout toi? Mais tu savais qu'en faisant ça, elle risquait de partir. D'après ce qu'elle a dit et tout, elle a encore menti du coup. Donc du coup, tu regrettes rien? Non. Il fallait commencer par là. Elle est pas rentrée de solo, ce soir. Je suis trop vénère. Je suis saoulée, mon Dieu. Ça m'énerve. Bibiana va en date solo avec le bachelor. Wow! Il y aura de la musique, de la chanson, il y aura la piscine. Quand vous entendez piscine, là, ça rime avec qui? Ça rime avec Joël Williams et Nadia. Et puis, si vous avez regardé l'épisode 3, on a vu le date avec le bachelor et Bibiana, comment le courant est passé. Ça allait tellement bien entre les deux qu'on se disait que, waouh, c'est comme s'ils se connaissaient déjà depuis longtemps. Ils parlaient, ils papotaient. Ça passait, c'était vraiment joli à regarder. Donc, je me demande, qu'est-ce qui va bien se passer à ce date solo? Les deux seront seuls. Ils vont passer la nuit ensemble. C'est chaud! Je vous dis que c'est chaud! Et moi, dans la tête du bachelor, je sais que quelque chose va se passer. Ça ne sera pas que comme avec Samira. Du moins, ça sera au moins comme avec Samira. Il y aura des bisous, des caresses. Et qui sait? Peut-être on va toucher le ventre et le bas-ventre. Qui sait? Qui sait? Je n'espère pas, mais ce serait trop chaud. Ce serait trop chouette de voir ça. De l'autre côté, on a Yaya qui se fait viser par toutes les autres candidates parce qu'elle a dévoilé au bachelor le secret de sa camarade Barbara. Du coup, les autres candidates se méfient d'elle. Ils se demandent, mais si elle a pu faire ça, ça veut dire qu'à l'heure, si là, si j'ai mon secret, ça ne doit pas sortir de ma bouche. Et ce n'est que normal. Ça ne doit pas sortir de mon cœur. Je dois garder ça pour moi parce qu'il y a des babadeuses. Donc, là, c'est vraiment chaud pour Yaya. C'est très chaud pour Yaya. Elles se sont scindées, se sont retirées et visées par les autres bacheloresses. Mais ce n'est que normal. Même si c'est moi, à la place des autres candidates, je me méfierais de Yaya. Yaya, c'est pas une fille à qui on peut faire confiance. Donc, si tu as ton secret, tu ferais mieux de le tenir bien gardé dans ton ventre. Même si ton ventre gonfle n'importe comment, tu gardes ça dans ton ventre. Moi, j'adore le comportement de Yaya dans la télé-réalité. C'est une mauvaise et j'adore ça. Parce que c'est une joueuse. Elle est cash. Elle dit ce qu'elle pense. Net, net, net. Elle ne perd pas de temps. Elle ne mâche pas ses mots dans la bouche, comme on dit souvent là. J'ai trouvé ça très courageux de sa part d'aller vers le bachelor et lui dire cache la vérité. Tout en sachant que Barbara risquait l'élimination. Et oui, on va pas nous dire que Yaya n'avait pas pensé à ça. Et en plus, elle ne regrette rien. Donc ça fait vraiment flipper encore plus les autres candidates. C'est normal qu'elles aient peur de Yaya. Yaya va devenir l'ennemi de toutes les bachelorettes là-bas. Le genre de fille qu'on marche avec toi, mais on ne te dit jamais nos choses. Ça va devenir comme ça. Et Yaya n'est pas la seule. Il y a des filles problématiques là-bas. Et je vous ai dit, j'adore ça. Parce que c'est ça qui rend la télé-réalité plus piquante. C'est ce comportement-là qui fait en sorte que ça chauffe dans la télé-réalité. Imaginez un peu que Samira n'avait pas demandé le bisou au bachelor. L'épisode-là, comment est-ce que ça aurait été? Ça aurait été plat, hein? Tout plat, tout plat. Parce qu'il n'y a eu vraiment pas grand-chose. Mais c'est ce genre de filles qu'il faut dans la télé-réalité. Des filles qui bavardent, des filles joueuses, des filles qui sont la cache, qui ne mâchent pas les mots. L'autre candidate qui se comporte pareil, c'est Angélique. Angélique, ha! On dit que Locam est profond, non. Elle était nette comme Yaya. Et même Yaya a dit, ne venez pas tenter Locam, parce que sinon elle va commencer à bouillonner. Angélique aussi, c'est une autre. Quand elle a quelque chose à dire, non. Quand elle écoute quelque chose, non. Ça sort seulement comme c'est entré dans ses oreilles. Donc, faites gaffe, les candidates. Ne dites pas vos choses devant les deux filles là-haut. C'est que, soyez en sûr que ça va parler. Ça va sortir. Ça va arriver dans les oreilles des autres candidates. Et peut-être dans les oreilles du bachelor. Donc, faites gaffe, mes chéris cocos d'amour. Comme vous le savez déjà, pour soutenir la page, s'il vous plaît, likez les vidéos. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. Et aussi, partagez massivement les vidéos. Merci.